Il est important de savoir que les récifs coralliens occupent moins de 0,5% du fond des océans. Cependant, à eux seuls, ils font vivre plus d'un quart de toutes les espèces marines. Il existe une multitude d'espèces de coraux qui forment des écosystèmes marins complexes parmi les plus riches de la planète en termes de biodiversité. Les massifs coralliens procurent des niches écologiques pour de nombreux animaux qui y trouvent nourriture, refuge, protection et abri. C'est pourquoi de nombreuses espèces de poissons en sont ainsi dépendantes. À ce jour, plus de 50% des structures coralliennes sont en mauvaise santé. Nous partons dans l'océan Indien en direction de l'île de Praslin. C'est la deuxième plus importante parmi les 115 îles qui forment l'archipel des Seychelles. Nous allons suivre le travail conjoint de l'équipe de scientifiques de Nature Seychelles et du centre de plongée Octopus Diver, qui figure dans la liste des centres ambassadeurs de longitude 181. Ils vont nous expliquer comment ils ont réussi à mettre en œuvre leur volonté de reconstruire des récifs de coraux. Chacun à son niveau, ses moyens et ses compétences. Le public commence à être sensibilisé au fait que les récifs coralliens à travers le monde sont soumis à de nombreuses perturbations, et notamment aux Seychelles, avec ce phénomène global et mondial, El Niño, qui a conduit à un réchauffement des eaux et à une mort des coraux. Après 1998, ce phénomène a été tellement important que naturellement les coraux n'ont pas réussi à reconstituer eux-mêmes des larves et à recoloniser le milieu. La couverture de coraux avant 1998 était de 50%. En 2005, cette couverture était proche de 0%. On s'aperçoit que même après une dizaine d'années, les coraux n'ont pas réussi à récupérer, puisqu'aujourd'hui encore, nous avoisinons les 2 à 3%. Après ce constat, Nature Seychelles, gestionnaire d'une zone marine protégée autour de l'île Cousin, a décidé de restaurer une zone de corail. Le début du projet est de commencer par trouver des sites où les coraux étaient en bon état et où l'on pouvait collecter des boutures pour les transplanter et reconstituer un récif. Pour cela, un passage par des nurseries est nécessaire. Alors voilà Franck, aujourd'hui on va plonger sur le site des nurseries. Donc tu peux voir sur ce schéma qu'on a 6 nurseries à base de cordes et 3 nurseries avec des filets. Donc aujourd'hui le but de la plongée c'est de vérifier toutes les nurseries, on fait ça une fois par semaine. Donc on va vérifier si les tuyaux sont en bon état, si les cordes qui tiennent ces tuyaux sont en bon état, si les jerrycans qui permettent de garder les nurseries en pleine eau ne sont pas vides. Et on va regarder aussi s'il n'y a pas de problème avec les coraux, s'il n'y a pas des développements d'algues trop importants qui nécessiteraient un nettoyage. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on s'immerge au niveau de ce mooring. Ici, là, en fait, on a une bouée en surface avec le bateau. Et on va commencer par cette nurserie 11, là, qui est une nurserie filet. Et après, on va passer vers des nurseries qui sont à base de cordes et faire un tour, comme ça, de toutes les nurseries. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nature Seychelles a sélectionné des espèces de corail de type Poscillopora ainsi que des espèces d'Acropora. Une fois ces colonies collectées, elles sont ensuite insérées dans des cordes pour être mises dans les nurseries. Certaines espèces qui au départ mesuraient seulement 5 cm mesure aujourd'hui plus de 30 cm. Il a été utilisé 2 types de nurseries à base de cordes et de filets recyclés. Sur ces filets recyclés, des expérimentations sont en cours avec des coraux d'une diversité plus importante, des coraux branchus, des coraux massifs et des coraux en croûte. Les nurseries, après le développement des coraux, nécessitent une maintenance. Un rajout de flotteurs pour que ces colonies restent bien entre deux eaux et un nettoyage des cordes pour que les coraux poussent dans des conditions optimales.
un suivi des coraux, notamment au niveau de leur croissance, est également nécessaire. Elles servent aussi de mini-écosystèmes et de mini-récifs artificiels puisqu'elles sont visitées par de nombreux poissons comme le perroquet à bosse ou le platax. Là, maintenant, on va déplacer une corde depuis le site de nurserie jusqu'au site de transplantation. Et pour faire ça, on va, avec l'équipe, plonger. Seulement deux plongeurs vont aller décrocher la corde de la nurserie. Avec deux jerrycans, ils vont mettre de l'air dans ces jerrycans et ça va permettre de faire remonter la corde à la surface. Et après, on va attacher cette corde derrière le bateau, l'attracter jusqu'au site de transplantation. Et quand on va arriver au site de transplantation, on va fixer cette corde au mooring, à la bouée, en sécurité. Et ensuite, on va commencer à préparer le ciment. Donc la préparation du ciment va nous prendre une vingtaine de minutes. Et une fois que le ciment sera prêt, les équipes vont aller dans l'eau pour couper la corde et donc avoir après des coraux individuels et trouver une place intéressante sur le récif mort de corail et replanter donc ce corail en place avec le ciment. On va mettre du ciment marine qui est plus résistant au lavage avec la mise à l'eau, et on va rajouter ensuite du cicacrète qui se trouve dans cette petite boîte là. C'est un colloïde en fait, des particules très très fines qui vont rendre le ciment beaucoup plus plastique et qui vont nous faciliter le collage des coraux sous l'eau et qui vont limiter le lessivage du ciment. Donc on rajoute une petite quantité là, de cicacrète. Après on rajoute de l'eau et il faut doser la bonne quantité d'eau pour avoir une pâte de ciment suffisamment pâteuse pour que le corail tienne dedans et pas trop liquide pour que le ciment puisse bien coller le corail. On va utiliser des poches à pâtisserie qui sont utilisées en pâtisserie par les pâtissiers pour faire les gâteaux, mais nous on va mettre du ciment à l'intérieur. Et ces poches à pâtisserie, elles ont l'avantage d'être souples et après de pouvoir faire un cordon à l'extrémité. On va les remplir, on les ferme à une extrémité avec une petite pince à linge, juste pour pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui rentre à l'intérieur et que ça nous rende le ciment très liquide. Et à l'autre extrémité, on va la fermer, la tourner et on va mettre une corde, qui doit être par ici. Voilà, on va mettre une corde pour fermer la poche. Voilà, et on fait attention que cette corde elle soit pas trop longue, parce que ça nous est déjà arrivé que avec des cordes longues, quand on travaille, on accroche un corail qu'on vient de cimenter. Il y a deux grandes saisons aux Seychelles, une mousson du sud-est et une mousson du nord-ouest. Comme les vents dominants changent en cours d'année, les nurseries sont déplacées, ce qui représente un travail important. Ensuite vient la partie transplantation. Le projet s'étalant sur plusieurs années, ils ont commencé par transplanter les cordes. Les premières expériences qui ont été faites par les scientifiques étaient de les fixer au substrat avec des clous. À ce jour, ils utilisent une autre méthode de transplantation avec du ciment qui montre des résultats meilleurs en termes d'attachement des coraux au substrat. Il est important de préciser l'importance du choix du site de transplantation parce qu'il existe des mouvements de sable sous l'eau, pouvant provoquer un étouffement des coraux. L'objectif étant d'avoir un récif qui ressemble le plus possible à un récif naturel, il est nécessaire de mixer les espèces entre elles, de laisser des espaces pour qu'elles aient la place de pousser dans des conditions naturelles. La suite du travail de Nature Seychelles consiste à continuer la transplantation qui constitue plus de 20 000 boutures, de poursuivre le suivi des colonies transplantées ainsi que le suivi des colonies qui ont été collectées, de rédiger un manuel et méthodes qui vont pouvoir servir à la mise en place de projets équivalents dans le monde entier et de faire des publications pour que les données acquises pendant ces 3 années servent à la communauté scientifique internationale.
Les responsables du centre de plongée Octopus Diver, accompagnés de Claude Rêveret, responsable technique de Nature Seychelles, nous font partager leur expérience commune et leurs objectifs. Donc, pour résumer la situation, nous, on représente, Hélène et moi, on représente Octopus Diver. Donc, on est un club de plongée ici installé à Pralin. Et ça fait 7 ans qu'on est là. Et on a, depuis quelques années, on est sensibilisé, comme tout plongeur, je pense, au sujet du corail. Et on apprend beaucoup grâce aux ONG qui nous entourent, qui, elles, ont des moyens plus importants, ont des gens plus qualifiés que nous. Hein. Nous, on est de simples plongeurs. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré Claude, donc il travaille pour Nature Seychelles sur un gros projet de restauration autour de l'île de Cousin. Et on a appris un petit truc là encore, on a encore appris quelque chose cet après-midi, c'est-à-dire qu'on a appris à faire du ciment sous l'eau. Et ça va nous aider comme ça à essayer d'optimiser les plots en ciment qu'on a mis sous l'eau il y a déjà quelques mois. Et on avait un peu de difficulté à fixer le corail dessus. Donc la solution de Claude va forcément beaucoup nous aider dans ce sens-là. D'ailleurs, il peut l'expliquer peut-être. C'est une solution qu'on utilise donc pour planter le corail. Donc c'est du ciment marine tout simplement et qui est. Donc ça coûte pas cher. Qui coûte pas cher, ouais, qui est facile à trouver. Qui est facile à trouver ici. Et on fait notre mélange avec un petit adjuvant là, qui permet d'avoir un ciment plus plastique, et plus facile à utiliser sous l'eau. Et vous avez vu, on l'utilise dans des poches à pâtisserie, donc ça c'est des choses qu'on fait facilement aussi. Et on fait notre mélange avant d'aller plonger, après on colle nos coraux, on peut le replacer, c'est assez malléable, et on laisse le ciment sécher. Et demain, là, vous pourrez retourner sur l'endroit où on a planté les coraux et le ciment sera dur. Ouais, voilà. C'est du béton, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. On peut continuer sur ce. Vous pouvez continuer sur cette technique-là. D'accord. Et la transposer, par exemple. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en plus, on peut après faire comme vous faites vous. Voilà. Ça peut être sur des rochers, sur des parties de coraux durs plus larges et coraux morts, qui ne bougent pas, quoi. Parce qu'il y a toujours ce problème de substrat qui bouge. Si on veut continuer là-dedans et pas continuer à bricoler. Sans beaucoup de résultats, il serait peut-être temps d'essayer de monter une petite association, sans prétention toujours, mais en tout cas avec quelqu'un qui se dédie et au moment où on commençait un petit peu à se dire on était dans une impasse et on ne savait pas trop ce qu'on allait faire à ce sujet, c'est là que Benoît est arrivé. Et ce qu'on voudrait en fait, c'est fixer ces coraux morts sur lesquels il y a ces bouquets. Okay. Donc du coup on ne stresse pas le corail, donc il n'y a pas de bouturage, on ne prend pas des opportunités dont on n'est pas sûr qu'elles ne soient pas déjà trop stressées, puis que c'est déjà voué à l'échec, ou trop stressé, ou bien déjà malade, etc., etc. Donc on espère avoir des résultats bien plus probants que ce qu'on a eu maintenant, grâce à cette méthode de prendre finalement ce qui est en bonne santé, mais dont on sait que dans quelques semaines, ça va se faire balayer, ça va sans doute pas survivre aux conditions climatiques qui changent, quoi. Parce qu'ici, c'est un peu 6 mois dans un sens, 6 mois dans l'autre, quoi. Voilà. Et donc, le but de la structure associative, ce sera de peut-être d'accueillir des éco-volontaires, ça, peut-être pas tout de suite, mais de faire participer nos plongeurs, les plongeurs Octopus qui peuvent être intéressés. Et beaucoup de gens, dès qu'on déjeune avec les gens, des gens qui savent qu'on fait des choses comme ça, ils ont toujours plein de questions. Hein. On se rend compte que même les plongeurs ne savent pas trop en quoi consiste le corail, mais ça les intéresse. Oui, et puis au bout d'un moment, les plongeurs, ils ont envie de faire autre chose que de se balader. Quelqu'un qui fait 10 plongées, il aura peut-être envie d'en faire une ou deux, où il va donner un coup de main à Benoît, il va faire du ciment sous l'eau, il va faire du. Donc c'est une majeure partie. Après, il y a aussi une partie qui fait partie de l'éducation environnementale que l'on veut donner. Au niveau des écoles, essayer de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible, parce qu'en fait c'est quand même leur île ici, il faut qu'ils arrivent à comprendre le pourquoi, l'importance du récif pour le développement de l'île et pour le bon-être de tout le monde. D'ailleurs je pense aussi que ça fera partie de la tâche de l'association. Déjà nous on le fait en tant que club ambassadeur de Longitude 180 Nature, mais l'association aussi pour faire relais un peu de la charte de Longitude 180 qui est intéressante à ce niveau-là aussi, pour sensibiliser les gens. La communication entre Nature Seychelles et Octopus Diver a permis de développer des projets,
une connaissance approfondie du milieu marin et enfin de pouvoir faire partager leur passion qui est, il ne faut pas l'oublier, la protection de notre environnement, la nature. La vie n'est pas aussi grande que la vie l'on. Mais ensemble, nous sommes capables de vivre aussi bien. C'est un bisou dans l'océan Indien. En bas soleil, une montagne vert, une jolie lance. C'est un joli petit pays d'amour. De temps qu'il y était, on a la beauté, nous vivons bien. C'est un bisou dans l'océan Indien. En bas soleil, une montagne vert, une jolie lance. C'est le bon joli petit pays d'amour. De tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien. Comment un petit bouxil dans l'océan Indien? Éloigné, plie pas pays, mais ouais, pays souverain. Visiter, bien apprécié que nous fassons vivre. La tranquillité, nous n'avons la beauté, nous vivons bien. Trois frères, qui n'ont nous montant et plio. Nous capables, montant famille, admis la ville Victoria. Sans soli, sans son fer, résonner dans les bars. En nous vivre comme un frère, non nous pas pour la guerre. C'est ouais, bisous dans l'océan Indien. En bas soleil, une montagne vert, une jolie lance. C'est le bon joli petit pays d'amour. De tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien. C'est un bisou dans l'océan Indien. En bas soleil, une montagne vert, une jolie lance. C'est le bon joli petit pays d'amour. De tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien. Deuxième île principale, elle est dans le cadre Coco à la demi-vallée des mers. La digue, troisième île principale, 15 minutes le cadre aux zones finies à arriver. Sa île renommée pour son tranquillité, ou a vraiment apprécié les bouées de bonnes vacances. C'est un bisou dans l'océan Indien. En bas soleil, une montagne vert, une jolie lance. C'est le bon joli petit pays d'amour. De tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien. C'est le bisou dans l'océan Indien. En bas soleil, une montagne vert, une jolie lance. C'est le bon joli petit pays d'amour. De tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien. La tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien. La tranquillité, on a la beauté, nous vivons bien.
Lorsqu'avec Véronique, on s'est lancé dans la création de l'association Longitude 181, on n'imaginait pas il y a 10 ans, une seconde, toutes les joies, tout le bonheur que ça allait nous apporter. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que avec vous, nous avons changé les choses grâce à la charte internationale du plongeur responsable, ce code éthique qui permet à chacun d'entre nous, vous, moi, Véronique, tous ceux qui nous ont rejoints, de réfléchir globalement, à long terme. Comment est-ce qu'on peut plonger, comment est-ce qu'on peut vivre harmonieusement sur cette planète, avec nos colocataires sauvages, avec ce monde sauvage, nous tous ensemble, aujourd'hui à 7 milliards et demain à 9 milliards. L'objectif de Longitude, c'est de vivre ensemble, en commun, avec cette vie sauvage, aujourd'hui et demain. Voilà ce que c'est Longitude. Après ça, Longitude aussi, c'est des actions sur le terrain. Mais toutes ces actions sur le terrain n'auraient pas de sens si elles ne s'ancraient pas dans ce code éthique. Un code éthique qui nous rappelle encore une fois ce que nous devons faire, non seulement avec la vie marine, mais aussi, et ça me paraît essentiel, avec les gens, avec les riverains des régions où nous tous, nous allons plonger. En plongée, on passe 3 heures dans l'eau, on est tout le reste du temps à l'extérieur, dans un environnement qui est parfois fragile, avec des gens qui ont des histoires extraordinaires à raconter et qu'il faut aller écouter. C'est aussi important que aller voir les poissons. Nous vivons ensemble. Nous sommes tous liés sur cette planète. Nous dépendons tous les uns des autres. Nous, entre nous, les hommes, avec cet environnement qui lui aussi a ses contraintes, qui doit nous supporter, dont nous dépendons et qui nous offre une richesse formidable. Quelle richesse ? Quelle richesse ! L'imprévisibilité de la vie sauvage, l'imprévisibilité du monde vivant, c'est ça la vraie richesse. Si un jour nous avions à perdre cette imprévisibilité que seule la vie sauvage offre, alors on se retrouvait dans un monde d'une pauvreté terrible, je dirais presque carcérale. Cette imprévisibilité qui nous permet d'exercer notre liberté. Parce que en assumant, en connaissance, toute la richesse des rencontres imprévisibles, nous agissons en liberté. Voilà, la charte du plongeur responsable, l'association Longitude, c'est cette philosophie-là, et c'est celle à laquelle nous vous invitons de réfléchir, d'adhérer, de nous rejoindre, parce que le futur, il dépend de vous, de nous tous ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important de préserver les requins ? En quoi même c'est indispensable ? Est-ce que c'est pas simplement parce que c'est une joie formidable de nager avec eux, un grand bonheur, une paix, une sérénité ? Est-ce que c'est seulement pour ça ? Alors tous ceux qui ne plongent pas n'en profitent pas ? Non, ils sont indispensables pour deux raisons. La première, on le sait, comme tous les animaux de cette planète, qui vivent en interdépendance, qui sont définis par leurs liens. Hein. Les êtres vivants se définissent par les liens qu'ils tissent avec les autres espèces et avec le milieu. Chaque fois que l'une d'entre elles disparaît, c'est bien tous ces liens qui sont déchirés et par conséquent toute la toile du vivant qui s'effiloche. Et nous faisons partie de cette toile du vivant. En défendant les requins, nous nous défendons nous-mêmes. Nous sommes liés à eux, directement ou indirectement. Mais il y a une raison qui me paraît plus importante, et je dirais qui est d'ordre philosophique. Si tout d'un coup, nous devions réfléchir d'une manière à savoir ce qui est utile et inutile sur cette planète, on trouverait évidemment que les requins sont particulièrement encombrants, que parfois même, ils causent la mort d'un certain nombre d'entre nous, et on se dirait, ok, inutile, on élimine. Mais
où placer le curseur? Où va-t-on s'arrêter dans cet classement d'utile et d'inutile? On verra vite que d'autres animaux ne sont pas spécialement utiles et on les mettra dans les inutiles et on les éliminera. Et où va-t-on s'arrêter? Est-ce que moi, je suis utile? Et c'est là qu'est le danger. En revanche, si tout d'un coup, nous savons faire de la place aux requins, aux dangereux, aux encombrants, à tous ceux dont nous ne voulons pas aujourd'hui, à tous ceux que nous ne connaissons pas, aux minuscules, à ceux que nous ne connaîtrons jamais, si on sait faire de la place à tout ça, aux éléphants et aux baleines, alors, on saura faire de la place à chacun d'entre nous, avec toutes ces différences. Et c'est là qu'il est essentiel de voir que c'est le requin qui est notre rempart. Donc préservons-le et nous pourrons tous vivre en harmonie à 9 milliards sur cette planète.